Séraphin Moudunga, ancien ministre sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, a atterri sur le sol gabonais après un exil de plusieurs années en France le 11 octobre au soir. À son arrivée à l'aéroport international Léon Bas de Libreville, il a été chaleureusement accueilli par une grande foule manifestant une joie et un grand soutien à ce fils du pays. Si j'ai un sentiment exprimé, je le ferai bien volontiers, à la presse certes, mais comme je suis un Africain, et dans les villages africains, quand on arrive, après une longue absence, la première chose que l'on doit faire, c'est d'aller rencontrer le chef du village et tous les autres notables au corps des gardes, faire le point avec eux de comment va le village et leur rendre compte de mon long séjour hors du village avant de parler à l'ensemble du village. Donc le moment venu, je pense que la presse sera conviée pour que je puisse vous livrer mes sentiments et mes impressions et ainsi que mes perspectives. Reconnaissant, il n'a pas manqué d'adresser un mot de remerciement au comité pour la transition et la restauration des institutions. Et à la suite de la libération du Gabon le 30 août, j'avais déjà exprimé que je me mettais à la disposition pour contribuer avec les autres à la construction de ce pays et notamment à la réussite de la transition. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le général Brice Lothaire Oligingema, président de la transition, chef de l'État, avait relevé lors de sa prestation de serment qu'un de ses chantiers prioritaires est le retour des exilés politiques au Gabon. Il prône ainsi l'unité nationale. Le retour aujourd'hui de Séraphin Moudunga marque sans aucun doute un grand tournant dans la politique gabonaise, passant par cette phase de transition.